a découvert beaucoup de villages où on a incendié toutes les maisons. Personne n'a été épargné. On a coupé les mains, on a coupé les pieux. Ça, c'est ce qu'on a vu. Mais des fois, on voit même des os de victimes qui sont enterrées à de basses profondeurs. Donc, il y a beaucoup de dégâts en termes matériels et humains. MSF est en train de faire des sorties en périphérie, en dehors de Tchikapa, pour découvrir les degrés de violence, pour aider à ce que les centres de santé redémarrent comme avant et soient opérationnels. Rien, vous n'avez pas pu récupérer rien du centre? Rien. On voulait nous décapiter. Là, on est en train de prendre la route vers Maïmounene pour se rendre compte de la situation sanitaire des enfants, des femmes et des blessés. Maïmounene est parmi les villages qui a été tellement touché par les conflits. Les centres de santé étaient saccagés, tout a été incendié. Ici était notre bloc opératoire. Tous les médicaments, les soins, tout. Ouais, j'étais surpris par les degrés de violence. Des fois, je suis à la maison, je me pose la question comment un être aimé peut agir de la sorte.